encore là? Oui, je suis encore là. Ça ne pourrait pas être que tu es parti. Je suis encore là. Tu ne me dis pas bonjour. C'est-à-dire que, oh, Achetana, est-ce que tu as bien dormi? Ou tu étais dans le 5 étoiles, la lune de miel, le Hilton et tout et tout. Et à quoi est-ce que tu as dormi sur le lit pendant que ton petit père lui dort au sol? Toi, tu ne peux pas dormir au sol. Il y a quoi sur toi? N'est-ce pas que quand la fille de la Barès là est venue ici, on a dormi nous trois sur le lit, non? Nous trois sur le lit. Elle a même dormi sur toi. Tu m'as entendu parler. Elle n'a rien dit. Tu ne pouvais pas aussi dire que, oh, nous deux aussi, on dort sur le lit. Comme ça, nous aussi, on profite du Hilton. Oh, le palace. Oh, c'est bien, la vie est belle. Et toi aussi, tu dors au sol. Non. Mais quand tu parles de George, c'est bien. Vous dormez sur le lit, vous dormez bien. Oh, le Hilton. Oh, c'est bien. Oh, le palace. Pendant que ton petit frère lui dort au sol. N'est-ce pas? Tu racontes même quoi? Donc, tu veux venir chez moi profiter du Hilton? Tu voulais l'enceinter encore? Rappelle-toi, j'ai laissé Fatima dormir sur le lit. Parce qu'à l'époque là, elle était encore enceinte. C'est après que la grossesse a disparu. Et puis, tu comprends même quoi? Donc, moi, ma femme Joyce, elle vient. Et tout, oui, je dors sur le lit. Le même lit avec toi, mon petit frère. C'est quel rite? Donc, ton petit frère, lui, doit dormir au sol. Le sol qui est par terre. Le sol que les gens piétinent comme ça, là. Il piétine. Il marche sur ça. Moi, il dort par terre, n'est-ce pas, non? Le sol dont tu parles là, moi-même, j'ai dormi là-bas à une époque. Tu racontes même quoi? En même temps, revenons sur les fondamentaux. Qui t'a même invité ici? Qui t'a invité ici? Tu penses que si tu passes, ça va faire quoi? Tu as l'impression que le travail que tu fais ici, là, tu es en train de faire quelque chose qui aide quelqu'un. Je peux même te donner le transport pour que tu partes. On est en couple. Tu vois pas que tu gênes? Ça te coûte quoi, gars? Ça te coûte quoi? Que Laura t'appelle, tu dis seulement que oui, oui, c'est qu'il est en train de dire là, c'est ça, oui, n'est-ce pas? Il parle. Je vais accepter que j'accepte quoi? Hein? Je vais accepter que Laura m'appelle. Je dis non. Tu dis oui. Je dis non. Tu dis oui. Je t'ai dit, je dis non. Oh, même si je oui. Dis oui, ça va sortir oui. Non. Non. Je t'ai dit que je vais dire bonjour. Non. Bonjour. Joyce. C'est comment? La nuit a été? Ça va. C'est que le sol là, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça va. Ça m'a un peu massé là. Moi j'ai. Tu sais que si ça ne dépendait que de moi, tu dormais sur le lit avec nous. Quel lit? Oui, la place que huissier, c'est le sol. Je vais essayer de me rattraper avec le petit déjeuner. Voilà. Mais quel petit déjeuner? On n'a pas l'argent, hein? Mais c'est moi qui finance. Et financer à hauteur de combien? Financer quoi? T'as comme c'est notre invité, il faut quand même lui faire plaisir. Ah ah! Ne ris pas ici là. Fais plaisir à qui? T'as comme laisse là. Si tu veux faire plaisir à tous les membres de ma famille, je te jure, ils vont envahir la maison si. T'as comme laisse ça, ce n'est qu'un petit déjeuner. Si Laura m'appelle, appelle normal ou appelle WhatsApp, je vais dire non. Que ce soit en haut-parleur ou en silencieux, je vais dire non. Tu comprends bien? Je vais dire non. Porte tes pieds et tu pars. Tu n'es pas. En fait, tu n'as jamais été le bienvenu ici. Takam, qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère? Rien. Tout va pour le mieux. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça n'a pas l'air d'aller. Pour moi, ça va. Moi, il n'y a aucun problème. Je vais comme ça me bosser. J'ai dit parce qu'il ne veut pas partir et toi, tu veux qu'il parte. Et puis, on voit bien qu'il ne s'est pas préparé avant de venir ici. Pour moi, quoi là-dedans? Regarde, tu as dit qu'il est dehors, non? Qu'il ne veut pas partir, non? Donc, va, tu lui poses tes questions, il te répond, non? Takam, s'il te plaît, explique-moi, non, s'il y a un problème. Expliquer quoi? C'est trop long. Ça va me perdre le temps. Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai du temps. Toi, tu as tout le temps. Ok, comme tu as le temps là, non? Voilà un autre gars là-bas dehors qui a le temps. Donc, comme toi, tu as le temps, et lui aussi, il a le temps. Entre vous, les gens qui avaient le temps, vous allez vous réunir et discuter de ça. Moi, mais dans son salon. Pitou, qu'est-ce qui ne va pas? Faut aller lui demander. Bon, je viens te voir parce qu'il m'a demandé de te demander. Que lui ne connaît pas ce qu'il a fait. Qu'il ne connaît pas. Comme moi, j'ai fait quoi? Il faut le dire. Il est là, non? Qu'il te dise exactement ce qui se passe. On demande un petit service à quelqu'un. Un petit service. Que Laura t'appelle. Dis seulement oui, que c'est ça. Il fait là comme si oh, il voulait en mourir. Comme si on lui demandait de vendre ses cheveux. Qu'est-ce qu'il appelle petit service? Un petit. Tu connais même ce qu'il appelle petit service? Il me demande de mentir à ma grande soeur. J'ai dit, bon, c'est vrai, c'est notre grande soeur. Mais il me demande de mentir à Laura. Un mensonge qui peut avoir des répercussions. S'il te plaît, elle n'a pas été finie, donne-moi un peu le sel là, je t'en prie. Le mensonge n'existe pas quand il s'agit de la famille. C'est-à-dire que je suis quand même son petit frère. C'est-à-dire que la famille, c'est quelque chose que même si tu vois ton petit frère en train de voler l'arme, on te demande que c'est un commissaire, c'est un policier. Tu dis d'abord que oui, c'est un commissaire, c'est un policier. D'abord, le mensonge, c'est une question de point de vue.
Vous blaguez avec le mensonge. Attends, je vais t'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi? Laura, ma grande soeur qui est en bain, Laura a trouvé une bourse d'études pour Pitou. Bourse d'études niveau licence. Alors que Pitou est là. Même le probatoire, il n'a pas. C'est hier qu'il m'avoue que même le probatoire, il n'a pas. Alors que toute la famille sait que Pitou à l'université, il est en train de poursuivre ses études là-bas. Tu trouves ça normal? Tu trouves normal que moi, je dois inventer le mensonge? Il me demande de dire à Laura que lui, il a tous les diplômes là. Je vais faire ça comment? Donc je vais prendre le probatoire, le bac et la licence. Je vais mettre ça dans sa ration alimentaire pour qu'il ait ça. Wow! J'ai mis tout ça dans ma bouche. Je suis conscient que ça peut lui porter préjudice. Mais regarde, on vient d'une famille pauvre. Il fait quoi ici? Il ne suis même pas obligé d'arriver dans les histoires qui disent la coco université. Dès que l'avion, non, dès que j'atterris seulement comme ça, là, j'ai disparu d'abord. Et commencé mes business. C'est notre seule sœur qui se bat en Europe depuis pour envoyer l'argent. Imagine seulement qu'on soit deux. Deux personnes qui cherchent l'argent en Europe, qui envoient ici là. Est-ce que ça ne va pas sauver la famille? Est-ce que lui-même ne va pas manger l'argent là? Est-ce que lui-même ne va pas bien vivre? Il ne sera pas content que son petit frère, c'est un benguis. Qu'est-ce qui est compliqué là? Qu'est-ce qui est compliqué d'en dire oui? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est difficile là? Qu'est-ce qui dit seulement oui? Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que Pitou parte en Bengui. C'est mon petit frère. Donc, moi, ça ne peut que me faire plaisir. Mais s'il veut, qu'il prenne la moto. Qui prennent le vélo, qui prennent le taxi, oui, pas même par mail. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils ne créent les problèmes à personne. C'est tout ce que je veux. Le cas que tu vois assis dehors là comme un ange là, c'est un petit sorcier. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de dire oui. La seule raison pour laquelle je peux dire oui sans réfléchir, c'est si on est devant le maire et il me pose la question, Monsieur Takam, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Joyce? Je vais dire oui. Takam. Quoi? C'est une demande en mariage. J'ai dit si. Comme c'est comme ça, comme il ne veut pas m'aider à partir en Bengla, et vu qu'il sache que s'il ne réussit pas ma vie dans ce pays, ça sera à cause de lui. À cause de qui? À cause de toi. À cause de moi. À cause de toi. Pour échouer dans ce pays, tu n'as pas eu besoin de moi, tu comprends, non? Tu es un échec. Tu mens. Je suis un businessman. C'est-à-dire que tu es un échec. Quel business? Tu as tout mon argent de la prison. Tu étais assorti. J'ai moins été assorti. Tu as volé ma télé. Tu m'as donné ta télé, je suis parti avec. George, tu vois, il est de mauvaise foi. Tu mens. Et pas à l'église. Tu n'as pas dit que tu n'as pas la foi. Il dit juste que t'as pas, c'est pas la bonne qualité. Tu mens. C'est toi. C'est pour toi que je mens. Moi je mens. Moi je mens. Oui, c'est toi qui mens. Wow. Rendre visite au pauvre, vraiment, c'est toute une expérience. Hein. Genre, à chaque fois que j'arrive ici, il faut toujours que je trouve soit un film que vous êtes en train de tourner, soit un spectacle, soit un... Bref, vous ne pouvez pas vous comporter comme des personnes normales. Genre normales, respectueuses, décentes. Vous ne connaissez pas ça? Et tiens, Lago, j'espère que tu n'es pas venu, genre que tu vas dire aussi que moi aussi j'étais enceinte. Mais si c'est ça, c'est même pas le bon jour aujourd'hui. Tu m'as bien regardé. Genre, je ressemble au genre de fille que ton spermatozoïde peut féconder. Mais... C'est comment? Je t'ai dit que c'est ton oncle qui a l'argent. Je dis bien ton oncle, ce n'est pas ton père. Takam, moi au moins mon oncle a l'argent. Toi dans toute notre famille, qui a l'argent? Ma soeur, Laura, elle est en beng. Beng bi moule. Qui t'a dit que parce qu'on est en beng, on a forcément l'argent? Tu vois comme ça, ma grande soeur Laura, elle avait lavé les cadavres. Tu dis que ma grande soeur. Ne parle pas mal de ma soeur. Tu es invité ici là. Elle est venue de mon sac. Pourquoi pas t'envoyer ça par la poste? La poste fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne. Quand tu échoues l'école normale, on t'envoie tes dossiers par la poste. C'est vrai ça? Tu vois, tu ne connais pas. Tu penses que quand tu déposes les dossiers, on demande la boîte comme ça. C'est pour faire quoi? C'est pour manger. Les pauvres apprennent les choses aux riches. Ah non, c'est juste qu'elle n'a jamais échoué l'école normale. Là. Tu vois? Vous n'êtes pas fatigué. Tu vois, elle entre. C'est chez toi, maman. Entre. Entre. D'accord. C'est qui là-bas? C'est qui, hein? Je te présente ta sorcière et psychopathe de belle-sœur. Elle vit chez son oncle, mais elle fait comme si c'était son père. Ok. Takam, 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 Takam. C'est quoi la poste? Passe le probatoire. Et puis tout ne veut pas partir parce qu'il veut s'assurer que Takam dise exactement ce qu'il veut à leur sœur Laura qui va appeler tout à l'heure. Donc c'est ça, le petit frère de Takam. Genre, plutôt qui a volé la télé. Oui. Qui enceinte les filles. Ouais. Donc il n'a même pas le probatoire. Pardon, il se chamaille comme ça depuis son arrivée. Ok. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. C'est malhonnête, c'est malsain, c'est tordu, c'est irresponsable.
Tu ne peux pas vouloir partir en Europe en mettant les gens dans les problèmes. Ça, il va d'abord partir pourquoi? Il a ses raisons. Bon, ok, s'il a ses raisons, si tu décides de partir, essaie au moins de partir de façon correcte. Parce que là, s'il part comme ça, ta camarade se retrouve en train d'avoir des problèmes. Sa soeur peut se retrouver en train d'avoir des problèmes. Imagine un peu qu'il arrive là-bas et on se rend compte que le diplôme, il n'a pas. Ça va se passer comment? Il dit qu'il va fuir avant d'arriver à l'université. On fuit avec la bouche. Il pas l'aventure en bain. Aïe. Putain, il ne regarde pas les films. Putain, je vais en parler, les gens ne comprennent pas. En tout cas, moi, il te dit, si tu laisses ça comme ça, c'est ta camarade qui va avoir des problèmes après. Tu défends ta caméra. Hé, hey, qui défend ta caméra? Moi, je ne défends pas ta caméra. Hey. Moi, je dis seulement la vérité. Moi, je n'aime pas le bon. Ah, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Elle fait rire. Tu ris de quoi? Moi, je parle même d'abord. Moi, je rentre. Pardon, moi, je ne veux pas me mêler des problèmes qui ne me regardent pas. C'est son frère, je viens de le rencontrer. Donc, il a sûrement des raisons. Ils ont sûrement eu des problèmes avant. Donc, je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je préfère observer. En tout cas, moi, je t'ai dit ce qui est pas. C'est ta belle famille, mais désormais. Bon. Tu as mangé, tu as bu? Je vais manger, je vais boire. Ok. Vous faites quoi? Vous avez fini de vous chamailler. C'est Laura qui appelle. Et vous chuchotez pourquoi? On ne sait jamais. Oh. Imagine-moi. Imagine tout ce que ça peut nous apporter si je pars en bain. Donc imagine ton petit frère en bain. Imagine-moi avec les habits de bain. Takam. La neige, l'avion. Les petits enfants métis qui t'appellent tonton. Takam. Les beaux enfants métis qui t'appellent tonton. Takam. Les voyages. L'argent que je vais t'envoyer. Takam. Imagine seulement tout ça. Et puis même si tu ne lui dis pas. Donc si tu lui dis non. Toi-même tu seras coupable. Tu seras condamné parce que tu seras mon complice. Elle va dire que tu es complice. Et depuis qu'elle envoie l'argent. Toi tu ne lui as pas dit. Que je n'ai pas à l'école. Tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que toi-même, on va partir en prison, nous deux, Takam. Nous deux, on va perdre tout. Elle ne va plus jamais nous envoyer l'argent, Takam. La mort, Takam. La mort, c'est tout ce qui nous. Allô? Bonsoir, Laura. Bambalé! Bambalé! C'est Joyce, la copine de Takam. Tu prononces le nom des Kimon? Bon, c'est vrai, je sais qu'on ne se connaît pas, mais il m'a donné son téléphone, oui, comme il est un peu occupé là. Pas malé! Donne mon téléphone! Donne mon téléphone! En fait, c'est parce que Pitou est venu nous voir. Bon, il nous a expliqué un peu la situation. Tu as vu le téléphone, Neddy? Viens, viens, viens. Tu as vu le téléphone, Neddy? Rien là-bas. Je te tue avec mes mains. Takam a demandé de te dire qu'en fait, tout ça n'est qu'un gros mensonge parce qu'on a découvert. Aujourd'hui, que Pitou n'a même pas le probatoire. Bon, allez, donne mon téléphone! Donne mon téléphone! Genre, depuis il a arrêté l'école, comme on croyait qu'il était à l'université et tout, en fait, non, son quotidien ici là, c'est porter les choses et aller vendre. Ah, en tout cas, Takam n'est pas d'accord. Parce que de toute façon, Pitou n'a pas le diplôme. Et il ne faudrait pas que tu te retrouves dans les problèmes, en fait. Et lui-même, il ne veut pas avoir de problème, donc c'est pour ça qu'il m'a demandé de te dire la vérité. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Non. Ouais, grande soeur, en fait. Oui, grande soeur, je sais qu'on ne se connaît pas. C'est parce qu'il est occupé qu'il m'a donné le téléphone pour que je réponde. Non, ouais, grande soeur, pardon, ne te fâche pas. C'est vrai que c'est les histoires de famille, mais je m'appelle Joyce. Tu prononces le nom de qui? Je suis la copine de Takam depuis je vis chez lui. Déjà, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Elle s'est appelée. Tu parles encore quoi? Pardon, essaie de te calmer. Grande soeur, attends. Bon, regarde, il est là. Je vais te donner, je te le passe. Attends, je te le passe. Donne-moi mon téléphone. Ouvre la porte. Ouvre la clé. Donne la clé. Regarde. Attends. Ce que je. Laura, ouais, c'est vrai. Je ne refuse pas. Ce que je veux dire. Tu vois alors. Tu ne m'écoutes pas.